قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى L'invasion islamique de l'Inde, le plus grand génocide de l'histoire. L'historien musulman Firishta, de son nom complet Muhammad Kazim Hindu Shah, 1560 à 1620, auteur de Tariq-i-Firishta et du Gulshan-i-Ibrahim, fut le premier à donner une idée du bain de sang médiéval que subit l'Inde sous le régime islamique. Il estima que des 600 millions d'hindous, plus de 400 millions d'entre eux furent massacrés pendant l'invasion et l'occupation islamique de l'Inde. Les survivants étaient réduits en esclavage et les mâles castrés. Vers le milieu du 15e siècle, ce nombre déclina autour de 170 millions d'individus. Ces chiffres sont terrifiants et feraient de cette invasion islamique le plus grand génocide de tous les temps, la mère de tous les holocaustes. Pour comparer ces données, la découverte de l'Amérique et les massacres contre le peuple indigène d'Amérique seraient de 130 millions, en incluant les nombreuses épidémies. Bien que ce chiffre soit très élevé, il fait pâle figure comparé à ce génocide contre les hindous. Durant la Deuxième Guerre mondiale, le nombre de morts en totalité serait d'environ 60 millions, soit le sixième de ce génocide envers les hindous. Pour l'Inquisition, on estime à 3000 le nombre de peines de mort prononcées durant ces 5 siècles d'existence à travers toute l'Europe. Ce chiffre est tellement démesuré qu'il est à peine concevable dans notre esprit. À l'époque où les Anglais arrivèrent sur les côtes indiennes et après des siècles de lois islamiques, sa population initialement d'origine hindoue était islamisée. Les archives anglaises relatent de nombreux témoignages sur les horribles incidents qui choquèrent les Anglais, qu'ils qualifiaient de sauvages et de barbares. Des témoignages relatent que des villes entières furent rasées et leur population massacrée, des centaines de milliers d'individus soumis à l'esclavage. Durant les campagnes de conquête islamique, plusieurs nouveaux dirigeants musulmans érigeaient des montagnes de crânes d'hindous. Ensuite, s'ensuivit dans les années 1000, la conquête de l'Afghanistan, provoquant l'anéantissement de la totalité de sa population hindoue. La chaîne de montagnes appelée l'Hindou Kush nous rappelle ce massacre car elle signifie le massacre des hindous. Le génocide du peuple hindou est largement méconnu et très peu relaté par les historiens. Mais quelques historiens ont laissé des récits détaillés des atrocités commises durant les avancées des forces islamiques vers l'Inde. Des documents historiques islamiques d'époque vantent et glorifient les crimes commis au nom d'Allah et relatent le génocide de dizaines de millions d'hindous, les viols de masse, la destruction de milliers de temples hindouistes et bouddhistes et tout cela avec d'innombrables détails qui apportent une preuve solide de la véracité de cet holocauste. L'Inde a une riche et longue histoire culturelle. L'hindouisme débuta autour de 1500 avant Jésus-Christ et le bouddhisme autour du 6e siècle avant Jésus-Christ. Cette culture a porté des achèvements artistiques, religieux et intellectuels très impressionnants. Avant et après les premiers jours de l'islam, les érudits indiens avaient apporté leur science à la cour des autres empires, y compris à celle de Bagdad. Le zéro, l'algèbre, la géométrie, le système décimal et la soi-disant numérotation arabe sont en réalité d'origine indienne. Les érudits indiens enseignés dans les universités indiennes, les enfants, garçons et filles, étaient élevés dans un système d'éducation largement développé sur des sujets aussi variés que la science, la philosophie, la médecine.
L'art et l'architecture indienne étaient magnifiques et florissants. Ils formaient un peuple prospère. Puis vint l'islam, et s'ensuivirent les massacres, l'esclavage, les viols, la violence, les pillages, la destruction des sites religieux, de l'art, de l'architecture, la pauvreté, l'exploitation, l'humiliation, la famine, les conversions forcées, le déclin de la recherche intellectuelle, les destructions sociales et une dégradation générale des conditions de vie. चिंता को तलवार की नोक पे रखे वो राजपूत, रेत की नाव लेकर समंदर से शर्त लगाए वो राजपूत, और जिसका सर कटे फिर भी धड़ दुश्मन से लड़ता रहे वो राजपूत। बेशक सुल्तान। सिपहसालार उल्लाह खान, क्या ख्याल? भेज दे अपने चंद सिपाही। La conquête de l'Inde par les musulmans fut le moment le plus sanglant de toute l'histoire de l'humanité. Selon ces historiens musulmans, qui ont enregistré avec la plus grande joie et la plus grande fierté le massacre des hindous, ils parlent le plus souvent d'un nombre incalculable de captifs ou d'esclaves, où ils précisent que toutes les femmes et les enfants furent réduits en esclavage. Quand les nombres sont comptabilisés, il se comportait à la manière du faux prophète Mahomet lors de ses expéditions meurtrières et suivait aussi les enseignements du Coran. Un chroniqueur musulman dénommé Oudbi, sous la gouverne du sultan Subuktigin de Ghazni, nous donne une idée des proportions gigantesques du nombre d'esclaves capturés suite à un raid. Il raconte « Ils étaient si nombreux que le prix des esclaves tomba très bas. » La condition des hommes était dégradée, mais c'est là la bonté d'Allah de faire pleuvoir les honneurs sur sa propre religion et de dégrader les infidèles. Ce même chroniqueur nous apporte certaines précisions quant au nombre. Après la prise de Tanezar, l'armée musulmane ramena 200 000 captifs à Ghazni. En 1019, 53 000 esclaves furent pris. À un moment, la part du calife, le cinquième des prises, montait à 150 000 captifs, ce qui suggère un nombre total de 750 000 esclaves. 500 000 furent pris en une seule des pillages et des destructions de temples. À cette époque, les esclaves étaient exceptionnellement nombreux. En 1195, Aïbak prit 20 000 esclaves de Raja Bhim et 50 000 esclaves de Kalinjar en 1202. Durant les 13e et 14e siècles et la domination des Khilji et des Tughlaq, l'esclavage s'accroissait et l'islam se répandait. Des milliers d'esclaves étaient vendus quotidiennement à bas prix. Le nombre d'esclaves capturés par Alaoddin Khilji de 1296 à 100 esclaves à son service personnel et 70 000 esclaves travaillaient en permanence dans son palais. Les femmes préférer se faire brûler vives ou se suicider, Pourou nous cite à quel point les hindous étaient considérés comme de la marchandise. Les turcs, quand il leur plaisait, pouvaient s'emparer d'un hindou, le vendre ou l'acheter. Lorsque le sultan Bakhtiyar Khilji eut conquis le Bengale en 1205, il devint rapidement le pourvoyeur d'esclaves castrés.
Cela dura jusqu'à la période moghole, de 1526 à 1857. Akbar le Grand, 1556-1605, possédait des eunuques. Saïd Khan Chaghtaï, officier du fils d'Akbar Jahangir, durant le règne d'Aurangzeb, possédait 1200 esclaves. En 1659, à Golconda, 22 000 garçons furent émasculés et offerts aux commandeurs musulmans ou bien vendus. Le sultan Alaoudine Khilji avait 50 000 garçons à son service personnel. Le sultan Muhammad Tughlaq en avait 20 000 et le sultan Firoz Tughlaq en avait 40 000. Firoz Tughlaq aimait collectionner les garçons et avait un total de 180 000 esclaves. De nombreux commandants sous différents sultans étaient des eunuques. Les historiens musulmans rapportèrent le désir éprouvé par les sultans Mahmoud Ghazni, Qutbuddin Aybak et Sikandar Lodi pour les beaux jeunes hommes. Échelon du monde arabe et à toutes les étapes de son histoire, de nombreuses sources, hadiths et sira attestent de l'asservissement de prisonniers de guerre par Mahomet. Bien que l'esclavagisme soit maintenant interdit dans plusieurs pays musulmans, la domination du monde est toujours au premier plan de cette idéologie mortifère et ne s'est pas essoufflée depuis 1400 ans. Tant qu'existera le Coran, beaucoup de gens souffriront de tortures et d'injustices, car ce livre et les enseignements de l'islam apportent son lot de misère, de tortures et de massacres. Il va à l'encontre des droits de l'homme, de la démocratie, voire même du code criminel établi dans la majorité des pays civilisés. L'histoire témoigne de la dangerosité de l'islam et de ses enseignements. Les hindous sont l'exemple par excellence de la détermination et des ambitions de l'islam. Il est une arme de destruction massive et ses massacres, comme nous l'avons constaté, peuvent prendre des proportions apocalyptiques.